j'espère que vous allez bien. Nous, on va bien. J'ai déposé Jeanne au stage à la ferme. C'est son dernier jour. On est vendredi. Je vous avoue que le premier jour, ça a été hyper facile. Elle a adoré. Enfin, franchement, elle y a été avec le sourire et tout. Mais après, ça a été la catastrophe. Donc, j'espère que la rentrée scolaire ne se passera pas comme ça. Parce que franchement, ça a été horrible pour mon cœur de maman de voir ma fille comme ça, qu'on me l'arrache des bras. Et je me suis dit, mais enfin, c'est qu'un stage. Je suis pas obligée de la mettre. Mais en même temps, c'est pas l'aider non plus que de ne pas la mettre. Donc voilà, mercredi ça a été le drame complet. Hier elle a nouveau pleuré un peu. Aujourd'hui elle a pleuré un petit peu moins quand même. Donc voilà, mais bon, c'est le dernier jour. Aujourd'hui c'est le spectacle à 4h. Donc voilà, j'ai hâte de la voir danser. Et en fait, Jeanne elle a hâte de retourner à l'école. Le stage elle a fermé, elle s'en fout, elle veut juste retourner à l'école. Donc voilà. Je rentre à la maison, je vais vous parler juste d'une application que j'ai découverte pour m'aider pour mon jeûne. Je sais pas si vous savez, je fais un jeûne intermittent. Donc ça veut dire qu'à partir de 16h de l'après-midi, je ne mange plus jusqu'à 8h le lendemain matin. Ça m'aide à perdre du poids, ça m'aide à me sentir mieux, beaucoup moins ballonnée. J'ai beaucoup moins de ventre qu'avant parce que je stocke tout le soir comme énormément de monde, même 90% des gens. On stocke le soir et du coup on est ballonné et on prend du poids comme ça. Donc moi clairement du jour au lendemain j'ai commencé le jeûne et ça ne me pose aucun souci de ne pas manger après 4 heures. Je n'ai pas faim, je peux regarder les autres manger. Clairement ça, j'ai pas de souci. Je sais que ça peut être dur pour certains. Mais ça j'ai pas de soucis. Et si j'ai un resto, bah du coup je décale, je mange le resto le soir et je ne mange pas avant le lendemain midi. En fait tout simplement je décale mon jeûne comme ça. Mais du coup voilà, c'est ce que je fais. Bon là les bouchons sont finis donc je vous laisse parce que sinon je vais être déconcentrée par mon téléphone. Et on se retrouve à la maison. Je voulais d'abord vous parler de l'application DoFasting, qui est une application que j'ai téléchargée. J'ai pris un abonnement d'un an pour m'aider dans mon jeûne intermittent. J'ai remarqué que c'était vraiment la meilleure solution pour moi, le meilleur régime, la meilleure façon d'entretenir mon corps, d'entretenir l'énergie, d'entretenir un corps sain et en bonne santé. C'est vraiment quelque chose qui me change vraiment du jour au lendemain de ne pas manger à partir de 16h. De l'après-midi jusqu'au lendemain matin 8h, je fais un jeûne comme ça de 16h il me semble. Et ça me change vraiment la vie, je sens au niveau de mon corps, au niveau de mon ventre que je suis beaucoup moins ballonnée puisque je ne mange pas le soir. Donc je n'ai pas ce côté ventre énorme de ballonnement, je suis beaucoup mieux dans mes fringues, j'ai beaucoup plus d'énergie. Je ne ressens aucun besoin de manger après 16h, vraiment aucun. Si vraiment ça ne va pas, mais c'est très rare, ça a dû peut-être arriver une fois ou deux maximum. Si vraiment ça ne va pas, je me bois un thé pour caler ma faim et je n'ai aucun problème. Jeanne et Simon mangent le soir tous les deux, ils prennent le repas tous les deux. Et moi pendant ce temps-là, soit je monte dans la chambre faire mon sport, ou je fais un peu de ménage, ou je range en haut. Je ne reste pas dans la même pièce qu'eux parce que, évidemment, j'ai pas envie non plus de me faire mal au ventre. Hein. Donc, je ne reste pas dans la même pièce qu'eux pour ne pas voir le repas, même si je leur prépare leur repas. J'ai aucun problème à préparer leur repas, mais si je les vois manger, évidemment, je vais avoir envie d'aller dans la casserole et d'aller chercher à manger. Donc, je monte et généralement, je fais un petit peu de sport ou je range, je mets lessive ou je prends un bain, enfin bref. Je prends un moment pour moi pendant qu'eux prennent un moment pour eux pour manger du coup. Mais on déjeûne tous les trois. Si Simon est là, on dîne tous les trois. Il n'y a vraiment que le soir que je ne mange pas avec eux. Et moi, ça ne me pose pas de problème. Maintenant, vous pouvez décaler votre jeûne et par exemple sauter votre petit déjeuner, sauter votre repas de midi. Moi, je préfère sauter mon souper, mon repas du soir parce que c'est là vraiment que j'ai le moins faim. Et c'est surtout là que je prends le plus de poids parce qu'après, je ne bouge plus. Et donc voilà, c'est vraiment une application qui va vous aider, qui va vous motiver parce qu'elle va vous envoyer des notifications, qui va vous donner plein d'exercices. Vraiment, je vais vous mettre, de toute façon j'ai filmé mon application,
Vous allez avoir plein d'exercices pour cibler tous les endroits du cœur que vous voulez, des exercices plus ou moins forts, plus ou moins longs. Et franchement, je les trouve super bien faits. Vous avez plein de recettes, vous avez votre suivi, vous pouvez rentrer vos calories, etc. Je la trouve vraiment super complète. Et en ce moment, ils font 75% sur tous les abonnements. Et avec mon code MELISSA10 que j'ai réussi à vous avoir, vous avez 10% supplémentaires. Donc en plus des 75%, vous avez 10% supplémentaires, mais seulement pour les 500 premiers. Donc vraiment, si vous avez envie de commencer ce jeûne intermittent, je sais que pour certains, c'est pas facile de commencer ce jeûne, mais vous pouvez choisir les heures que vous avez envie. Moi, je saute le repas du soir. Mais si vous, par exemple, le matin, vous n'arrivez pas à déjeuner, vous sautez votre petit déjeuner et vraiment, vous commencez comme ça. Et je peux vous assurer que vous allez vous sentir mieux. Je dors beaucoup mieux parce que j'ai rien dans l'estomac, donc je dors beaucoup mieux. Je vous mets tout en barre d'informations. J'ai un lien direct qui vous donne accès sur l'ordinateur, c'est plus facile que sur le téléphone, mais vous pouvez le faire via votre téléphone aussi. Mais sur l'ordinateur, c'est un lien direct et au moment du paiement, vous indiquez mon code MELISSA10 et vous avez 10% supplémentaire sur cet abonnement-là. Et de toute façon, je vous en reparlerai et je vous montrerai au fur et à mesure mes résultats parce que vraiment, je suis ravie. Je vais continuer, moi, mon petit boulot. Ce que je vais faire aussi, parce que j'allais oublier. On a commencé notre poulailler. Alors, comme on va partir en vacances ici au mois de septembre, j'ai pas envie de devoir demander que ce soit aux voisins, que ce soit à ma belle-maman de s'occuper des poules, de s'occuper en plus du chien, du chat, du poisson. Donc, je pense que le chat, le chien et le poisson, c'est largement suffisant. On va pas en plus prendre des poules maintenant, mais c'est vrai que voilà, Jeanne aura des poules pour son anniversaire, ça c'est certain. Le poulailler est quasiment terminé. Je vous mets de toute façon des petits extraits que j'ai filmés il y a déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines au moment où on l'a commencé. En fait, il a tellement plu, on a eu vraiment un été horrible, qu'on essayait à chaque fois d'avancer au fur et à mesure dans le poulailler, mais on avançait une heure de temps en temps, dès qu'il y avait plus de pluie, puis la pluie recommençait, enfin c'était vraiment une catastrophe. Donc je vous mets juste après l'avancement de notre poulailler, et j'ai reçu de la part du site Omelette une porte automatique pour les poules, donc qui s'ouvrent à la lumière du jour et qui se ferment le soir. Donc ça, c'est vraiment génial parce que du coup, le dimanche matin, tu peux faire ta grasse mat, t'es pas obligé d'aller sortir les poules à 7h du matin. Donc franchement, ça, c'est la révolution. Je vous mets aussi le lien de ma porte en barre d'infos et si j'ai un petit code promo, je vous le mets ici et je vous le remets dans la barre d'infos aussi, comme ça vous l'aurez. Et ben du coup, je vous laisse avec le montage de notre potager, mais non, de notre poulailler. Petit à petit, ça avance. Bon, le toit, il faut absolument qu'on termine encore. Là, ça va être la porte. Là, du coup, est-ce que vous allez voir avec le soleil? Oui, c'est le pondoir. Hop, si on m'a mis une petite poignée avec les charnières et le petit verrou. Là, la porte. Et alors, de l'autre côté, ici, il m'a fait aussi une porte. Hop. Comme ça, je peux bien nettoyer l'intérieur. Il m'a déjà fixé un petit perchoir. Je pense qu'on va mettre le deuxième ici, parce qu'il faut quand même qu'elle puisse rentrer, la porte est là. Il faut quand même qu'elle puisse rentrer et aller là derrière. Donc on va peut-être en mettre un là, mais on ne le fixe pas encore. On attend de voir la porte. Mais en tout cas, il y en aura deux ici. Comme ça, elles seront bien en hauteur pour dormir. Finir le toit, venir mettre les planches en bois là. Et voilà, petit à petit, là, j'ai passé un coup de débroussailleuse partout. Parce que l'herbe, c'était devenu une cata. Voilà, ce côté-ci du jardin, on ne le traite pas. Parce que de toute façon, les poules vont quand même tout détruire. Hein, donc, on n'a absolument pas fait cette partie du jardin. Il faudra juste me tirer les deux morceaux de bois là. Et alors, j'essaye de trouver. J'ai mis deux petits morceaux de bois pour essayer de cacher les piquets. Hein. En métal que je trouve affreux, donc je vais voir s'il n'y a pas deux morceaux pour dire d'avoir quatre morceaux de bois pour cacher les piquets, en même temps pour monter dessus si elles ont envie, aller gratter pour chercher les fourmis derrière les écorces. Enfin bref, voilà, elles seront bien 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 là, mes petites poules. Elles ont de l'espace quand même, on s'imagine pas, mais il y a au moins 25 mètres carrés. Elles seront trois, donc c'est largement suffisant. Et alors après, dès qu'on a la porte, il faudra aussi faire un escalier. On pense même faire un escalier en L. On verra, mais franchement, je trouve que ça avance déjà très bien comme ça. Je vous montre le petit haul que j'ai fait pour Jeanne, les petits achats que j'ai fait pour Jeanne pour cette rentrée. Tout est encore disponible, donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez vraiment un coup de cœur. J'essaierai au maximum de tout vous mettre dans la barre d'infos.
pour que vous puissiez vraiment tout retrouver assez rapidement. J'ai fait des achats pour Jeanne pour cet été. Je ne vous les ai jamais montrés. Et finalement, heureusement, parce que vu le temps qu'on a eu en Belgique et un petit peu partout en France aussi, mis à part dans le sud, j'ai encore plein de vêtements d'été avec des étiquettes, quoi. Donc ici, on part en vacances. Heureusement, je vais pouvoir lui mettre la blinde de vêtements d'été. Mais sinon, c'est une catastrophe, quoi. Donc voilà. Bon, avec cette nouvelle rentrée scolaire, JBC avait envie de mettre l'accent sur l'égalité des sexes. Alors apparemment, à partir de 13 ans, il y a déjà 90% des enfants qui choisissent leur métier en fonction de leur sexe. Et c'est bien dommage. Donc JBC a décidé de supprimer dans tous leurs magasins les petits panneaux filles-garçons dans les rayons. J'ai été voir ça moi-même parce que j'ai fait des achats chez JBC. Et franchement, c'est génial parce que automatiquement, en fonction de vos goûts, en fonction des goûts de l'enfant, vous vous dirigez vers le vêtement que vous avez envie de choisir, peu importe dans quel rayon il se trouve. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter des vêtements pour garçon à ma fille parce que j'adorais la couleur, des petits accessoires, des choses comme ça. Moi, j'ai déjà été dans les rayons hommes pour moi, pour m'acheter un sweat ou une chemise un petit peu plus large, etc. Parce que j'aimais juste bien la coupe, la couleur, la forme, etc. Donc, franchement, je trouve qu'on devrait même faire ça pour les adultes parce que c'est quand même facile, t'as pas besoin de panneau pour savoir où est le rayon homme-femme. Tu te diriges vers là où tu vois les vêtements qui t'intéressent, peu importe si t'es une femme ou un homme. Donc franchement, je trouve ça très bien de la part de JBC. Et donc, ils font des petits pulls comme ceci avec une inscription « Quand je serai grand, je voudrais être ». Et ici, Jeanne, elle a choisi le petit pompier. Et quand elle a reçu le pull, elle ne voulait plus le quitter. J'ai dit « Mais Jeanne, il faudrait peut-être l'enlever pour dormir parce que tu vas avoir chaud ». Puis elle m'a dit « Oui, mais je veux un casque de pompier, je vais me lancer un incendie ». J'ai dit « D'accord, ok, on aura tout ça ». Et franchement, les petits suites comme ça sont vraiment super adorables. Ici, on l'a pris en 104 pour vraiment qu'elle puisse le mettre même début d'année prochaine. Mais franchement, elle l'adore. Je vous montre un petit peu, il est un petit peu bleu chiné comme ça. Il est vraiment super joli avec des petits pompiers, des petites lances à incendie, des petites flammes, des petites barrières, des petites cônes, etc. Et vous avez des femmes pompiers aussi dessus, donc je trouve ça juste adorable. En adulte, on devrait faire ça aussi pour les rayons adultes, donc je suis vraiment super contente. Et vous recevez aussi chez JBC, quand vous faites vos achats, vous recevez aussi un petit livre de coloriage avec tous des métiers, je trouve ça génial. Avec par exemple un homme fleuriste. Parce que normalement, dans l'idée, on voit plus une femme être fleuriste ou alors voilà une patronne au lieu d'un homme. Vous avez quoi? Vous avez un homme qui s'occupe des enfants, voilà, un papa au foyer. Je trouve ça génial. Vous recevez aussi des petits crayons. Donc franchement, top idée de chez JBC. Je suis vraiment fan du concept. Et je trouve qu'on devrait faire ça aussi pour les adultes. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour Jeanne chez JBC. Je me recule un petit peu. Hop, alors les vêtements sont un petit peu mis comme ça parce qu'en fait, j'ai déjà mis le prénom de Jeanne sur les étiquettes avec mon tampon. Donc voilà, je vous montre un petit peu comme ça vient. Je lui ai pris deux jeans. Alors, il y a plein de promos en ce moment chez JBC. Vous avez même des réductions à partir de 75€ d'achat, je pense. Donc c'est hyper intéressant et il y avait plein de tringles avec des vêtements à 50%, des prix ronds, etc. Donc franchement, je ne pense jamais, je vais être honnête avec vous, je ne pense jamais aller dans ce magasin. C'est pour moi le magasin un peu de mon enfance où j'allais avec ma maman, où c'est là qu'on allait. C'était JBC, on allait chez JBC, c'était génial. Et puis au fur et à mesure des années, je n'y ai plus mis les pieds. Et au final, j'ai trouvé des trucs beaucoup trop beaux pour Jeanne. Donc je suis super contente et je suis sûre que je vais y retourner. Donc petit jeans ici, hop. C'est un petit jeans Marie Skinny Fit en 98 qui m'a coûté 22,95€. Hop, il est super mignon et tu sens que la qualité du jeans, c'est un jeans hyper épais quoi. Donc franchement, jeans basique comme ça, mais Jeanne, je vous dis, elle n'a vraiment plus rien pour cet automne-hiver. Donc là, je suis occupée de lui refaire une garde-robe complète parce que je n'avais plus que des trucs d'été. Et ce petit jeans, par exemple, il est passé à 10€. Au lieu de 17,99€, je pense que je vois en dessous. Mais en tout cas, il est passé à 10€, toujours en 98. Il est un petit peu plus clair. C'est plus ou moins le même. Un petit peu plus clair quand même. Et il est un petit peu plus stretch, j'ai l'impression, celui-ci. Le jeans, en tout cas, l'épaisseur est plus fine. Donc voilà, super mignon aussi. Deux petites paires de collants comme ça en 98. Et c'est 7,50€.
la petite paire de collants. J'ai pris un blanc classique et un rose. Donc je lui ai pris une première petite veste comme ça qu'elle va mettre demain pour son stage à la ferme. C'est une petite veste vraiment déperlante. Donc ça c'est top parce qu'ils annoncent de la pluie pour demain et jeudi il me semble. Donc franchement top, évidemment beige, vous le savez, il y a juste l'intérieur qui est un petit peu voilà, métallisé comme ça, j'aime moins, mais bon, je me dis c'est juste pour la pluie et on s'en fout quoi. Vous avez toujours chez JBC des petites étiquettes comme ça, hop, pour pouvoir indiquer le nom de l'enfant, le numéro de téléphone et même son adresse. Moi j'ai mis voilà, le cachet de Jeanne dessus, mais je trouve ça génial parce qu'ils font ça vraiment sur tout leurs vêtements, sur leurs pulls, enfin vous avez des étiquettes comme ça nominatives partout, donc ça c'est top. Et cette petite veste en 98 m'a coûté 14 euros. Elle était au rayon des soldes. J'ai pris ensuite une autre veste que je trouve magnifique. Et je prie pour qu'il ne pleuve pas le jour de la rentrée. Parce que je crois que ce sera sa veste de rentrée. Qui m'a coûté 15 euros au lieu de 34,95. Oui, 34,95 quand même. Donc là, j'ai vraiment fait une bonne affaire. En 98, et regardez-moi ça comme elle est trop belle. Elle est magnifique avec les petits nœuds ici sur les manches. Elle est un petit peu resserrée ici. Enfin bref, ça fait vraiment petite veste de petite madame. Franchement, je l'adore. Elle est quand même assez épaisse. Et je la trouve vraiment trop belle. Trop jolie. Donc ça, ce sera sa petite veste de rentrée. Ensuite, je lui ai pris une seule robe chez JBC. Oui, à 22,95€. Je vais fermer juste peut-être un bouton. Ça fait robe vraiment très, très ancienne. Avec le motif fleuri comme ça, mais franchement, quand je l'ai passé à Jeanne, j'ai trouvé ça magnifique. Petite robe toute fleurie comme ça, trop belle. Assez simple, avec un petit col Claudine comme ça. Des petits... mais franchement, elle est trop trop belle. Je vous montre un petit peu les motifs de plus près. Elle a un petit peu... C'est quelle matière ça? Franchement, elle est assez douce et un petit peu épaisse. Donc ça, franchement, pour l'automne, même l'hiver, avec un petit gilet... et des collants. Bon, j'espère que la luminosité ça ira parce qu'il est dimanche et franchement il y a un ciel horriblement gris d'orage, donc j'espère que ça va aller. Ensuite je lui ai pris des petits t-shirts à longue manche parce que c'est le genre de truc quand il fait 20 degrés mais qu'elle est en extérieur, par exemple comme à la ferme la semaine prochaine, à courte manche je sais que Jeanne va avoir froid parce que c'est une grande frileuse comme moi et donc du coup il lui faut au moins des petits t-shirts comme ça à longue manche avec une petite chemise est en dessous. Donc pour la ferme, il me fallait absolument des petits t-shirts comme ça parce que je n'en avais plus. Je crois qu'il m'en reste un ou deux. Un qu'on avait même reçu de sa cousine et l'autre que j'avais acheté chez Kiabi et que je lui ai mis et remis parce qu'il a fait dégueulasse et je n'avais quasiment aucun vêtement d'automne. Et donc qui est passé quoi. Et celui-ci, je l'ai payé 5,95€ et je l'ai pris en 104. Mais Jeanne ne fait que 92 cm. Mais je trouve que chez JBC, il taille un peu petit, en tout cas pour certaines choses. J'ai l'impression qu'il taille un peu petit parce que je les ai essayés à Jeanne et c'est parfait. Par contre, celui-ci, il n'y avait plus qu'en 98 et comme je l'aimais beaucoup, je l'ai pris. mais il lui va aussi, donc c'est parfait avec deux petites cerises comme ça. Elles sont trop mignonnes. Celui-là, il m'a coûté 9,95€. Hop, celui-ci que je trouvais trop chou, qui était en promo à 5€, hop. Voilà, je me suis dit pour 5€, ça ferait l'affaire et j'adorais la couleur. C'est la couleur de ses bottes en plus, donc je vous montrerai après ces petites bottes que j'ai prises pour la ferme. J'ai pris ensuite deux petits comme ça, que je pense quand même garder pour l'école parce que je les trouve vraiment mignons. En 104 toujours à 7,50€. Ils sont un petit peu plus travaillés. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu la matière, je vais me rapprocher. Mais vous avez des petits volants ici et ils sont un petit peu... Vous voyez, vous avez des lignes à l'intérieur, c'est pas... Vous ne voyez pas très bien. Mais ils sont vraiment super beaux. Je suis désolée pour la luminosité, hein, vraiment. J'ai pris le même en blanc cassé comme ça, 7,50€. Et ensuite, je lui ai pris trois petits gilets parce que franchement, je tourne avec ces gilets encore de l'année passée. Et là, c'est plus possible, quoi, je ne peux plus les voir. Donc, je lui ai pris un petit gilet comme ça en 104. Hop. Vous l'aviez aussi en bleu marine, mais il n'y avait plus sa taille. Mais franchement, ils sont super jolis. Et hop, il a coûté 14,95€. Petit gilet comme ça, tout simple. J'ai pris le même, évidemment. Voilà. Et j'aurais voulu prendre celui en bleu marine, mais il n'y avait plus sa taille. Donc, je suis un peu dégoûtée. J'y retournerai pour voir où je regarderai sur le site. Et ensuite, j'ai pris ce petit gilet tout doux en 104. Je vous ferme le petit bouton, comme ça, c'est peut-être plus facile. Pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et celui-ci m'a coûté 22,50€. Hop, trop chou. Et c'est vraiment un tout doux, quoi. Un petit gilet tout doux. Franchement, ça, si je peux avoir le même pour moi, pour les soirées
d'automne, ce serait parfait. Alors, chez Zara, pas grand-chose. J'ai juste pris un petit pantalon comme ça à 7,95€ en 2-3 ans. Donc, 2-3 ans chez Zara, c'est 98 cm. À savoir que j'ai toujours le même problème et pourtant, je m'obstine à prendre les leggings chez Zara. Je sais que je dois prendre tous mes pantalons et que ce soit mes leggings aussi chez Tape à l'œil parce que c'est vraiment là qu'ils font des vrais fits. Parce que Jeanne étant petite, c'est vraiment, y a vraiment que là que je trouve des beaux pantalons et des choses qui la mettent bien en valeur. Parce que comme elle est fine, dès que tu prends un truc même fit chez Zara, ça fait un sac sur Jeanne. Donc c'est juste pas possible. Donc j'étais têtue, hein, j'ai quand même pris celui-ci qui vous paraît très petit. Alors au niveau des jambes, ça va, mais au niveau de la taille, c'est une catastrophe. C'est beaucoup beaucoup trop grand. Donc là, je vais juste après cette vidéo aller l'apporter à ma belle-mère pour qu'elle me reprenne au moins un petit doigt comme ça de chaque côté parce que sinon elle ne sera pas le maître et c'est dommage. Et ensuite pour au-dessus, j'ai pris dans le même tissu, la même matière à 7,95€ ce petit haut comme ça, tout simple, dans lequel on est hyper à l'aise, hyper cosy. Franchement, ça c'est le genre de haut que vous pouvez mettre aussi à vos enfants en tant que pyjama parce que moi j'ai un pyjama dans cette matière là et je suis hyper bien dedans, donc franchement vous pouvez prendre ce genre de petite tenue pour tout. Et il me fallait absolument des bottes, évidemment, pour le stage à la ferme. Et en fait, j'ai repris exactement les mêmes. Il y a eu une luminosité qui s'est abaissée, là, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris exactement les mêmes que l'année passée parce que j'en ai trouvé sur Zalando, qui était à 35-40 balles. Je me suis dit, purée, pour des bottes qu'elle va mettre une semaine, ça me fait un peu... hein. Puis j'en ai trouvé dans la jardinerie près de chez moi, mais c'était pas très joli. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir chez Zara. Et au final, j'ai trouvé les mêmes que l'année passée, que je trouve juste parfaites, complètement mixtes. C'est un beau marron, comme ça, hyper joli. Donc ça, franchement, je vois déjà bien avec sa petite tenue comme ça pour aller à la ferme. C'est trop chou. Et Jeanne était super contente de les mettre. Elle me dit, oh, je pourrais sauter dans la boue. Je dis, oui, vas-y seulement. Saute dans la boue, fais tout ce que tu veux à la ferme. Comme ça, quand tu rentres à la maison, tu restes propre. Allez, c'est parti pour Tape à l'œil. C'est parti. Alors, première petite chose que je vais aller changer parce qu'elles sont trop grandes, mais je les ai quand même prises parce que j'avais envie de vous les montrer. Mais je les ai tout de suite recommandées à Nivelles pour les avoir. Donc, elles vont arriver dans quelques jours dans la bonne pointure de Jeanne. Et je pourrais les prendre du coup dans sa pointure. Je regarde un petit peu voir si elles ne sont pas abîmées, mais c'est vraiment des petites bottines bleu marine, comme ça vous les voyez noires, mais en fait elles sont vraiment bleu marine, vernis comme ça, je les trouve super jolies. Jeanne les a adorées, vraiment elle les a adorées. Elles coûtent 29,99€, mais celles-ci sont 25 et Jeanne il faut absolument du 24, donc j'ai hâte pour les échanger, pour pouvoir les mettre. Pour compléter ce look avec ces petites chaussures, on a trouvé cette petite robe bleu marine, vraiment très mignonne, assez fine. Donc ça, c'est bon encore pour la rentrée quand il fait encore un petit peu bon, même 20 degrés. Hein. Jeanne, je peux lui mettre une robe comme ça, elle n'aura pas trop chaud. Je vous dis, c'est une frileuse, donc voilà. À la base, elle est à 19,99€ et vous avez à chaque fois des petites étiquettes comme ça, même sur les articles de rentrée. Vous avez toute une sélection rentrée chez Tape à l'œil. Vous avez 50% sur les articles de rentrée à l'achat de 2 articles. Donc vraiment, ça vaut le coup parce que c'est de la nouvelle collection et vous avez quand même 50%. Donc franchement, foncez. Donc je l'ai eu à 50%. J'ai pris pour aller au-dessus cette petite veste en jeans. Voilà, 50%. Et ça va vous étonner parce que je l'ai prise en 2 ans. Alors j'ai été conseillée par la vendeuse, par la responsable du magasin Tape à l'œil à Waterloo. Et on a essayé la 3 ans à Jeanne. Alors la 3 ans au niveau de la longueur, ça va. Mais au niveau de la largeur, les épaules tombent ici à Jeanne. C'était pas joli quoi, tu voyais que la veste en jeans elle était pas belle pour la petite quoi, donc on a pris la 2 ans, elle est un petit peu plus courte, donc ça fait une petite veste en jeans assez courte, mais par contre elle tombe super bien au niveau des épaules et ça franchement c'est 100 fois mieux quoi, ça lui tombe vraiment beaucoup beaucoup mieux. Ensuite si besoin on lui a pris un petit foulard comme ceci, c'est vrai que c'est le genre de petit foulard que j'adore mettre à Jeanne. J'en ai quand même quelques-uns parce que voilà, dès qu'il y a un petit peu de vent, Jeanne elle est comme moi, on est très sensible au niveau de la gorge. Et dès qu'il y a un petit peu de vent, on se met à tousser et on tombe malade. Du coup, dès qu'il y a un petit peu de vent, hop, je lui mets ce petit foulard, quitte à l'enlever après à l'école. Mais je lui mets un petit foulard pour dire de faire le trajet parce que je sais qu'elle est sensible à ce niveau-là et j'ai pas envie que ma fille soit malade constamment.
Et ensuite, autre look, je lui ai pris un petit jeans comme ça que j'ai trouvé adorable avec la petite ceinture rose poudrée avec les petits cœurs sur les cuisses. Et alors, regardez-moi le détail de cette petite poche. Trop chou. Et c'est un skinny celui-ci en 3 ans et il moule parfaitement Jeanne. Et ça, c'est juste franchement les vêtements comme ça, les pantalons de chez Tape à l'œil, moi je les adore parce que c'est vraiment ceux qui tombent le mieux sur Jeanne. Et franchement, la qualité du jean, c'est top. Donc franchement, les vêtements Tape à l'œil, j'aime beaucoup. J'ai pris pour aller au-dessus. Alors ça, c'était mon coup de cœur. Je l'avais vu sur le site. Et dès que je suis arrivée, j'ai dit à la responsable, je lui ai dit « Est-ce que vous avez cette petite chemise ?» parce que je la trouve vraiment trop belle. Elle m'a dit « Oui, elle est là. » Et en plus, elle est à 50% l'achat de deux articles. Donc franchement, elle est canon, ça fait très chic. J'ai bien envie de mettre ça à Jeanne pour sa rentrée. Honnêtement, je sais même pas ce que je vais lui mettre finalement. Est-ce que je mets sa petite robe bleu marine? Est-ce que je lui mets un petit jean? C'est tout, je sais vraiment pas trop. Donc on verra, je pense que je vais faire des essais. Mais franchement, cette petite chemise est trop belle. J'adore la coupe, elle lui va super bien. J'ai pris en 3 ans, je crois. Ouais, 3 ans. Et vous avez des petits pois argentés dessus, resserrés ici au niveau des manches. Elle est trop belle. De toute façon, je vous ferai... des petites stories Insta où Jeanne les aura portées pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous entendez certainement Jeanne qui crie avec son papa en bas, je suis désolée, mais il joue comme des fous. C'est dimanche, il pleut, donc on essaye de l'amuser un maximum dans la maison. Petit gilet comme ça pour mettre par-dessus la petite chemise s'il fait un petit peu frais le matin, elle gueule en bain. Il était à 22,99€ celui-ci. Franchement, il est extrêmement doux, c'est hyper agréable. On l'avait pris en 3 ans, mais pareil, c'était beaucoup trop grand pour elle. Les épaules tombaient beaucoup trop basses. Celui-ci, la cintrait beaucoup mieux. C'était beaucoup plus joli. Donc, on a pris 2 ans. Comme quoi, il faut vraiment essayer. Et ce qui est chouette, c'est que au Tape à l'œil de Waterloo, les filles sont extrêmement gentilles. Je suis toujours tombée sur des gens adorables au Tape à l'œil à Waterloo. Et il y a des cabines d'essayage pour les enfants. Donc, franchement, c'est génial. Et celui-ci est vraiment super mignon avec des petites pochettes. Hop, vous avez une petite inscription là. Il est hyper doux, ça fait vraiment gilet de grande, j'aime beaucoup. J'ai pris ensuite un autre petit ensemble que j'ai vu, que j'ai composé moi-même, avec un petit haut comme ça, tout simple, rouille, et un, d'ailleurs qui a coûté 9,99€, et un petit pantalon qui a coûté 6,99€, que j'ai pris en 4 ans, parce que j'avais peur, en fait c'est le genre de petit legging, quand elle bouge, ça remonte, et donc moi ça m'énerve quand on voit les chaussettes, voilà. Donc moi je préfère en 4 ans qu'il descende bien sur les chaussettes et qu'il arrive vraiment au bas des chaussures, mais franchement je trouve super joli, et ça c'est vraiment un petit ensemble vite fait, bien fait, que ce soit pour aller à la ferme ou à l'école, je trouve vraiment ça hyper mignon et vraiment pas cher, donc voilà, pour 15€ t'as un ensemble super mignon. Et ensuite, alors là vous n'allez pas en revenir, j'ai pris une petite doudoune à Jeanne, vraiment doudoune de mi-saison, pas doudoune d'hiver-hiver, mais doudoune de mi-saison. Mais alors la couleur, vous ne vous y attendez pas, vous ne vous y attendez pas du tout. Pour la petite histoire, j'hésitais entre deux doudounes, entre celle-ci parce que je trouvais la couleur vraiment très sympa et que ça changeait de l'ordinaire. Et j'hésitais avec une beaucoup plus classique, beige, avec un imprimé vraiment très automnal, avec des petites fleurs dans les tons rose, beige, etc. Donc vraiment très beaucoup plus classique. Et on a essayé les deux. Et la responsable m'a dit, regardez un peu la différence au niveau de la teinte de peau, au niveau du blanc de l'œil de votre fille quand on va changer les vestes. Elle lui a d'abord passé celle-ci qu'on a prise, et c'est vrai que tout de suite le teint de Jeanne était rehaussé. On avait vraiment l'impression qu'elle était plus bronzée, qu'elle était en meilleure santé, qu'elle était... vraiment ça lui donnait du peps au visage et au teint, c'était vraiment super beau. Et ensuite on lui a mis l'autre et pouf, c'était hyper flagrant comme Jeanne avait l'air fade, blanche et pas au top quoi. Je me suis dit, mais c'est hyper impressionnant, en fait, je fais jamais attention à ça, c'est hyper impressionnant. Et au final, j'ai eu raison parce qu'elle lui va superbement bien au teint. Et merci d'ailleurs pour les conseils de la responsable, parce que franchement, j'aurais jamais pris ça sans elle, quoi. Donc, je lui ai pris une petite doudoune. Alors, vous allez peut-être la voir, elle est couleur framboise, tout simplement, un peu framboise écrasée, avec deux petites poches ici sur les côtés. Elle est quand même assez épaisse, mais à la fois elle est hyper fine et hyper flexible. Je veux dire, quand Jeanne la porte, elle n'est pas du tout encombrée par un manteau, encombrée par une doudoune. Elle est franchement hyper sympa. Elle peut se mouvoir
comme elle veut. Elle courait dans le magasin avec sa doudoune. Enfin, donc franchement, c'était hyper génial. Vous aviez en plein de couleurs différentes. Moi, j'ai pris en 3 ans à 24,99€. Et vous avez aussi en bleu marine, en rose pâle. Mais franchement, voilà, quand on est brune de cheveux, parce que Jeanne est aussi brune de cheveux que moi, voilà, ça ressort hyper bien. Et je trouve que pour des enfants, c'est hyper chouette de vous l'entendre crier. Et au final, je trouve qu'avec un petit jeans comme ça, en dessous, et même avec sa petite chemise, je trouve que ça donne super bien. En fait, c'est le genre de couleur qui peut même se marier avec tout. Et je ne le pensais absolument pas avant de voir porter sur ma fille. Donc franchement, je suis hyper, hyper, hyper contente de cet achat et de cette couleur. Surtout, je n'en reviens pas moi-même. Je me félicite. Je me félicite d'avoir acheté ça. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout. Alors, je vais arrêter le vlog ici, je pense. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, n'hésitez pas à le faire. C'est complètement gratuit. Et d'ailleurs, à vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Mais sur Instagram, c'est complètement gratuit. Et je passe mes journées là-bas. Donc, si vous n'avez plus de nouvelles de moi ici, c'est parce que je suis sur Instagram tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous partage toutes mes photos, toutes mes stories, tout, 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 tout. Donc, c'est vraiment là-bas que vous devez me suivre un maximum. J'ai très mal au dos. C'est pour ça que je fais ça comme ça. J'ai très mal au dos. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets un maximum d'articles et de liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver tout si vous avez des coups de cœur. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt ici ou sur Insta. Ciao!